Pour faire de la photo et de la vidéo, tu as besoin de ça. Eh oui, deux cartes mémoire. Mais quand on débute, pas toujours simple de savoir lequel choisir. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différents types de cartes qu'il existe et quels sont les specs dont tu as besoin pour de la photo et de la vidéo. Prends un petit thé, un cahier, un stylo, accroche-toi, c'est parti! Suivant ce que tu souhaites faire, photo ou vidéo, ou le matériel que tu utilises, tu n'auras pas besoin des mêmes cartes mémoire. De plus, les cartes mémoire sont souvent remplies de plein de petits chiffres dont on n'y comprend pas grand-chose. Je vais te détailler au mieux tout ça dans cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin. Je te partage mon top 1 des cartes mémoire ainsi que conseils précieux. Si t'es motivé à l'idée d'en apprendre plus et que tu kiffes ce style de contenu, like et abonne-toi. Ça me motive beaucoup et en plus, ça aide les copains à trouver ces tutos. Merci à toi. On commence tout de suite avec les micro SD. Les micro SD, ça ressemble à ça et tu vas pouvoir les utiliser dans tout ce qui est drone ou GoPro. Ensuite, il va y avoir les cartes SD. C'est les cartes qui vont être utilisées par 80% des appareils réflexes et hybrides. Donc, si toi aussi tu as un appareil photo, certainement que tu utilises ça. Ensuite, on va avoir des compact flash. C'est des cartes qui vont être un petit peu plus rapides et qui vont être utilisées par certains modèles de Canon ou de Nikon. Ensuite, on va avoir des cartes CF Express qui sont beaucoup plus rapides que toutes les cartes qu'on a vues jusqu'à présent. Ce sont des cartes qui sont utilisées pour des caméras ciné et je sais que le modèle Sony A7S III utilise ce type de carte. Comme 80% des boîtiers utilisent... comme 80% des boîtiers utilisent ce type de carte, donc les cartes SD, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a écrit dessus. Le chiffre qu'il y a en haut à gauche, inscrit en mégabits par seconde, c'est la vitesse de lecture et ça permet de transférer les données de la carte vers l'ordinateur. Vous l'aurez compris, plus ce chiffre est élevé et plus le transfert est rapide. Ensuite, en dessous, il y a un énorme chiffre en gigabits, donc c'est la capacité de stockage. Plus ce chiffre est grand, plus vous pourrez stocker de données et moins ce chiffre est grand, moins vous pourrez en stocker. Pour de la photo, je vous conseille minimum du 64 Go et pour de la vidéo, je vous conseille aussi un minimum de 64 Go pour filmer en 1080p et 128 Go minimum pour filmer en 4K. Ensuite, en haut à droite, il y a des lettres. Certaines cartes auront inscrit SDHC et d'autres SDXC. Pour uniquement de la photo, vous pouvez prendre du SDHC. Par contre, pour de la vidéo, je vous conseille vraiment pas, car ces cartes ont une limite de stockage de 2 à 4 gigas. Ça veut dire que si vous filmez un clip vidéo qui fait plus de 2 à 4 gigas, finalement, ce clip va se retrouver scindé en plusieurs parties de 2 à 4 gigas. Vous n'aurez pas un clip entier. De plus, la capacité des cartes SDHC est de maximum 32 gigas. Donc, pour de la vidéo, prenez absolument du SDXC. Ensuite, vous aurez un chiffre entouré dans un cercle. Ça, c'est la vitesse d'écriture soutenue minimum en mégaoctets. Il faut savoir que 1 mégaoctet égale 8 mégabits par seconde. Retiens bien cette information, tu vas en avoir besoin pour la suite. En général, on va dire que la norme n'est pas en dessous des 80 mégabits par seconde. Du coup, privilégiez des cartes qui ont le chiffre entouré où il est noté 10. Comme ça, vous serez pas mal dans la norme. Puisque 1 mégaoctet égale 8 mégabits, 10 mégaoctets sera égal à 80 mégabits par seconde. Ensuite, vous allez retrouver un U avec un chiffre à l'intérieur. Ça, c'est aussi une vitesse d'écriture. Si le chiffre est 1, ça voudra dire que vous êtes à 10 mégaoctets, donc 80 mégabits par seconde. Par contre, si le chiffre à l'intérieur du U est 3, ça veut dire que c'est 30 mégaoctets. Ça vous fera donc du 240 mégabits par seconde. Pour savoir s'il faut du U1 ou du U3, il faut vérifier la vitesse d'enregistrement maximale de la caméra. Pour cela, on va se rendre sur Google, taper le nom du boîtier suivi des lettres B et H. On va aller sur le premier lien qui s'affiche. Ensuite, on va aller dans Specs. Puis, un peu plus bas, dans les modes d'enregistrement, on va trouver la vitesse d'enregistrement maximale du boîtier.
Pour le Lumix Z80, on a une vitesse maximale de 100 Mbps par seconde. Si tu as une carte U3, donc une carte de 240 Mbps par seconde, mais que ta caméra a une vitesse d'enregistrement maximale qui est au-dessus des 240 Mbps par seconde, comme par exemple la Nikon Z8, qui a une vitesse maximale de 400 Mbps par seconde, alors là, il te faut regarder un autre paramètre, c'est le petit V qu'il y a sur ta carte SD. Et suivant les cartes, en général, il va être écrit V30, V60 ou V90. C'est ce paramètre-là que tu vas devoir regarder si tu as un boîtier avec une vitesse d'enregistrement qui est supérieure aux 240 Mbps par seconde. Une carte SD V30 aura toujours 240 Mbps par seconde. Une carte SD V60 aura une vitesse de 480 Mbps par seconde. Et une carte V90 aura une vitesse de 720 Mbps par seconde. C'est ce chiffre-là que tu dois regarder sur la carte SD si tu as une caméra qui a une vitesse d'enregistrement supérieure à 240 Mbps par seconde. Le chiffre romain sur la carte correspond à l'appellation UHS, soit UHS1 ou soit UHS2. Une carte UHS1 aura une rangée de capteurs et une carte UHS2 aura deux rangées de capteurs. La carte UHS2 va être beaucoup plus rapide tant au niveau de la lecture que de l'écriture. Par contre, ces cartes sont beaucoup, beaucoup plus chères. C'est peut-être pas nécessaire d'aller jusque-là, surtout si tu as un budget serré. Maintenant que t'es resté jusqu'à là, mon top 1 des cartes mémoire. Pour une vitesse d'enregistrement allant jusqu'à 240 Mbps par seconde, je te conseille une SanDisk Extreme Pro SDXC 228Go U3, V30, UHS1. Pour une vitesse d'enregistrement allant jusqu'à 480 Mbps par seconde, je te conseille une ProGrade SDXC de 128Go U3, V60, UHS2. Et pour une vitesse d'enregistrement allant jusqu'à 720 Mbps par seconde, je te conseille une ProGrade SDXC 128Go U3, V90, UHS2. Et pour le petit conseil, n'utilise pas de carte micro SD avec un adaptateur pour ton boîtier. L'adaptateur risque tout simplement de ralentir le processus d'enregistrement. Et ça, c'est pas cool. Je vais en profiter pour te parler d'un objet que j'utilise concernant les cartes SD. C'est une boîte coquée où je range toutes mes cartes SD et qui me permet de les protéger au maximum et de pas malencontreusement marcher dessus. C'est vraiment du solide, il y a un petit mousqueton où on peut l'accrocher partout. Donc si cet objet vous intéresse, si jamais, il y a le lien en description. J'espère que cette vidéo t'aidera à trouver la carte SD qui te correspond. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Et on se retrouve juste ici pour la prochaine vidéo. À de suite. Ciao!